Bonjour, alors je suis Bruno Pédurin, mon nom d'artiste c'est Aiwa. Je suis un artiste guadeloupéen installé en Martinique depuis 2000 parce que je suis enseignant à l'école des Beaux-Arts de Fort-de-France. Alors j'ai vécu toute ma vie ici, après un cursus normal, j'ai fait une formation, après un bac littéraire, artistique, option artistique, j'ai fait une formation des Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts de Fort-de-France, là où j'enseigne aujourd'hui. Et après cette formation en art, parce que vivre de son art dans nos régions n'est pas forcément quelque chose de très facile, donc j'ai enseigné, j'ai passé un CAPES d'art plastique, donc j'ai enseigné pendant 11 ans en collège ici, et j'ai eu l'opportunité de partir à Fort-de-France pour enseigner dans l'école des Beaux-Arts, donc j'y suis depuis 2001. Et artistiquement, je travaille de façon, je dirais, régulière et continue en tant qu'artiste exposant depuis environ une vingtaine d'années. Et j'ai eu l'occasion d'exposer mon travail en Guadeloupe, Martinique, à Caraïbes, à Haïti, Saint-Domingue, Cuba, et aussi en Europe, Espagne, avec Simon Jamy, un des commissaires de la collection permanente. En Espagne, en Autriche, en France, aux îles Canaries. Et il y a 2 ans, j'ai fait une résidence d'artiste à Gorée, avec le musée d'Appert. Les cornes que vous voyez là sont issues de cette résidence. Et donc j'ai un parcours d'artiste vivant dans la Caraïbe et essayant d'exposer au maximum, de sortir son travail au maximum quand les opportunités se présentent. Alors pour la jeunesse, c'est que nous sommes capables de faire des choses ici. Ce mémorial acte en est la preuve. Je pense que beaucoup de gens parlent beaucoup du mémorial en ne sachant pas forcément toujours ce qu'ils disent concernant ce mémorial, parce qu'on dit qu'il a été fait par les autres, mais ce n'est pas vrai. C'est beaucoup d'expertise guadeloupéenne. Et ça, c'est important de le savoir, que beaucoup de choses ont été réalisées par les Guadeloupéens ici et avec un haut niveau d'expertise. Donc je pense que ce qu'il faut dire à la jeunesse, c'est qu'il faut avoir de l'ambition, envisager de participer au concert du monde à la hauteur qu'il faut pour être entendu et ne jamais désespérer de sa réalité.